Ethan, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto cuisine. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire les sushis. C'est parti. Pour faire les sushis californiens, et voici les ingrédients. Il vous faudra du riz spécial sushi, il faudra feuilles d'algues, du vinaigre de riz, des frites de poulet, de la mayonnaise, du concombre, deux avocats, du thon et de la fromage à tartiner. Avant de commencer, il faut se laver les mains. Vous mettez du savon, regardez, et vous rincez à l'eau. Lavez le riz à l'eau froide jusqu'à l'eau soit claire. Il faut vous en mettre jusqu'ici, regardez. Voilà. Et ensuite, vous faites comme ça avec le riz. Faites l'opération plusieurs fois. Hop, vous mettez le riz ici. C'est pas grave si vous mettez que ça colle. C'est pas grave. Vous suivez avec moi. Alors, vous mettez de l'eau jusqu'à là, regardez. Hop, vous refermez le robinet et vous refaites plusieurs fois comme ça. Versez le riz dans une casserole remplie d'eau froide salée. Il est préférable qu'il y ait un peu plus d'eau que de riz. Et vous mettez un peu de sel. Couvrez la casserole et laissez bouillir pendant 5 minutes. Laissez mijoter à faible température pendant 12 minutes ou jusqu'à absorption de l'eau. Éteignez le feu et laissez reposer pendant 10 minutes. Nous avons mis le vinaigre dilué avec le sucre et le sel dans le riz. Le riz est prêt. Il nous faut une nanette à maquis. Il faut l'envelopper dans du papier cellophane. Nous avons mis le vinaigre dilué avec le sucre et le sel dans le riz. Le riz est prêt. Il nous faut une nanette à maquis. Nous avons mis le vinaigre dilué avec le sucre et le sel dans le riz. Le riz est prêt. Il nous faut une natte à maquis. Il faut l'envelopper dans du papier cellophane. Il faut couper les feuilles d'algues en deux. Ensuite, vous mouillez vos mains dans un bol d'eau et mettez le riz sur l'algue. Regardez. Hop. Voilà, vous mouillez vos mains. Et ensuite, vous mettez un peu de riz. Hop, vous mettez un peu de riz ici. Voilà. Hop, hop, voilà. Nous avons fait le riz. Maintenant, on va mettre des graines de sésame. Hop, vous mettez chaque ici. Bah maintenant, on va tourner l'algue. Regardez. Voilà. Et ensuite, vous mettez du concombre. Et vous mettez un peu de tomayo. Hop, vous la mettez ici. J'ai essayé plusieurs fois de rouler les sushis, mais je n'y arrive pas. Alors, j'ai demandé à ma soeur Fiona de l'aide. Regardez comment faire. Rouler. J'aimerais bien vous montrer comment vous coupez les sushis. Regardez. Je vous présente mes sushis prêts. Je vais vous régaler. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous a plu, mettez des likes, commentez, partagez et abonnez-vous. À la prochaine les amis. Ciao.